Hop. À Zagara, il y en a qui veulent. Ouais, je vais mettre ça aussi. Merde, qu'est-ce que je fais? Zagara, Sonia. C'est Wyatt Johnson encore. Sunlucky quand même. Sunlucky de Wyatt Johnson quand même. Votez vite. Votez vite, votez bien. Votez vite, votez bien. Attention, parce que là, on va pique après. Zagara, voilà, adjugé vendu. Adjugé vendu, Zagara. Zagara, on l'a vu trois fois d'affilée. De quoi? On l'a vu trois fois d'affilée. Zagara. Je sais pas où tu l'as vu, mais je crois que tu ne regardais pas mon stream. Je crois que tu regardais pas mon stream. Du coup, c'est Zagara. Et ouais, c'est parti. Voilà. Je sens le ban Zagara. Dommage. À 3 mois d'affilée. Ah oui, 3 mois d'affilée. J'ai pas bien lu ta phrase. Il parle de moi. Ouais. Il parle de moi. Il regardait les rediffs. On ne verra donc jamais Sonia. Je peux Sonia, ouais. Je peux Sonia la game d'après, si vous voulez. Je vais Sonia la game d'après. Voilà, je vais Sonia la game d'après, voilà. Sonia, c'est un pick assez simple à prendre aussi. C'est quand même unlucky, hein, d'être stuck en plate. Ouais, c'est quand même unlucky, plate 3. Plate 3, ça commence à être Toon Fiesta. Et après, jusqu'en Diam 2, c'est Clown Fiesta. Et après, en Diam 1, ça commence à rehausser le niveau, je crois. Est-ce qu'il pleut chez moi? Parce que mon PC, il fait chaud quand même. Et genre, on va laisser la fenêtre ouverte. Et il pleut, donc c'est unlucky quand même. Arthas, please. Après, de Diamant 5 à Master, ça va être Zagara et Arthas only. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça devrait être assez simple de carry quand même. Là, on a eu des games où on lose, hein, mais c'est pas très représentatif de la globalité, je pense. Même si on a loose 4 fois d'affilée presque, avec une win entre deux. Mais ça représente pas trop la réalité au final. Il pleut là. Ouais, il pleut, ouais. Ouais, cette map, c'est pour moi les 3 pires maps hein, en solo queue. Et je parle bien de solo queue, hein. C'est pas les maps que je déteste ou quoi. Hein. Les pires maps pour moi, c'est Warhead. Warhead, BHB, BOE. En gros, quand je tombe dessus, je sais que bon, ma team va falloir qu'elle s'occupe tout seule et elle va feed quoi. Ouais. Après, genre en soi, si le matchmaking ne forçait pas à lose des mecs qui win plus que d'autres, bah en gros, bah, je perdais pas une game en fait. Ou très peu. Avec mon Arthas Bounce to Master là, full Arthas, j'aurais perdu très très peu de game, quoi. Parce que là, je peux te dire que il y en a, ils pensent que c'est simple, etc. Parce que ça semble simple avec Arthas quand j'ai fait mon Bounce to Master et j'ai fait moins de 10 défaites. Mais non, c'est pas facile, non. Je peux vous dire que les mecs, il y a des games où j'étais 1v5 en fait, vraiment 1v5. 1v5 quoi. Et là, c'était vraiment 1v5, c'était pas 1v5 avec des mecs qui étaient à côté qui tapaient. Non, non, il y a une game, je me rappelle, sur Braxis, j'ai fait un 1v5. C'était en bronze, hein, je crois, hein. Mais j'étais 1v5 quoi, c'était dur. Warhead, BHB et BOE.
Battlefield. Ouais, c'est. Nathan, c'est quoi le perso pour toi qui a un V5 le plus facilement? Maltael. Ou qui? Ben, Zagara, c'est très fort. Après, c'est un V5 pas en soi, mais ça push, enfin, c'est fort. Maltael, ouais, Maltael, c'est sûr que c'est vraiment fort. Maltael, c'est peut-être le mieux, ouais. Après, le truc, c'est qu'en fait, Zagara, elle va 1v5, mais dans l'idée, en gros, dans l'idée, parce qu'elle va 1v5 sur le fait de push la map, de donner l'avantage à tes alliés, que t'aies besoin, qu'ils ont besoin qu'ils aient besoin d'amener 2-3 mecs sur ta lane et tout ça. Maltael, en teamfight, il va 1v5. C'est complètement différent. C'est pas du tout pareil. Du coup, vu que c'est complètement différent, c'est pas du tout pareil, quoi, du coup. Ouais, bah, souvent, c'est comme ça. Gueulevoir 5 à pas. Ouais, j'en avais fait une Gueulevoir 6, je crois, à la Dream, non, à la GA 2015, il me semble. J'ai fait une Gueulevoir 6. Il y avait des Vikings en face. C'était assez intéressant. En LAN, c'est plutôt. Tu t'en souviens, quoi, toute ta vie. Hein. Plutôt intéressant. Allez, moi, je parle en teamfight. En teamfight, ouais, Maltael semble pas mal pour un V5. Mais c'est pas parce que t'as un V5 en teamfight que tu vas win la game en fait, ça le truc. C'est que des fois vaut mieux jouer la macro et un V5 en macro que juste un V5. Ah, il a pas. Ah, il a pas de langue, il a même pas de langue en fait. Genre le mec il a même pas de langue en fait. Il a juste pas de langue. Il voulait pas me donner un coup de langue. Un petit coup de langue. Lui, il se rend pas compte que les minions, ça. Ah, j'ai dodge. Bah oui, j'ai dodge. Ah, tu vas peut-être mourir, toi. Non, il meurt pas. Il se rend pas compte que les sbires font énormément de dégâts. Là, je vais push et je vais back après. Daka va revenir dans 10 secondes. Il faut que je push en moins de 10 secondes. C'est fait. Allez, au revoir. Il va TP là. Tu dodges la langue au calme. Au KLM, comme qui dirait. Au KLM. Ils ont eu une nuke et ils ont voulu grid encore. Je sais pas dodge la langue, mais il est mort donc. Oh merde, ouais. D'accord. Il va rester dans 14 secondes encore. C'est chiant, DAK, c'est chiant. Il peut TP tout le temps. C'est pour ça que c'est un semi-counter à Zagara. Parce qu'il peut revenir à chaque fois directement. Là, il se dit, oh, je vais tuer Zagara. Elle va être là. Et hop. Quoi? Pourquoi il était. Mais 2 ans à TP à chaque fois, je crois. Et ben non, je ne suis plus là, petit DAK. Je t'ai tué 2 fois, ce qui n'est pas du tout normal. Je sais pas comment il gère son truc lui, mais il a un problème quand même. Pourquoi il se fait pauvre comme ça, genre il se fait défoncer la gueule, le mec. Eh, tu peux pas tuer le truc en plus, c'est dommage ça. Oh putain de merde.
Voilà ce que je veux dire par décal à 2, etc. Oh non, j'ai mis le poison sur ça, putain. Le poison, il va sur la wisp, c'est un peu chiant quand même. Mais ouais. Voilà ce que je parle de décaler à 2, etc. C'est que là, en gros, ben, la Lunara n'est pas bot lane, quoi. Elle est top. Oh, ouais, vache, putain. Elle est toujours top lane d'ailleurs. Et là, ils sont tous les deux morts. Genre, je sais pas pourquoi il va pas sur l'autre, sur la Lunara. Elle était 100% morte. Le Genji avait juste la dash sur la Lunara, elle était morte. Pas compris. Mais c'est comme ça. Et voilà quoi, c'est. Lunara, je l'ai pop, le Genji il l'aurait. Normalement, c'est 100% kill sur Zagara, sur Lunara. Il a juste à dash sur Lunara et mettre une autre attaque. Voilà, tout simplement. Mais bon, voilà. Mais voilà à quoi ça sert Zagara pour un V5. Pour un V5. Ça fit dans ma team, ouais, mais à partir du moment où j'ai Zagara ou je suis en 1v5, c'est free. Il faut que tu bump. Il a même pas besoin de AK et AFK. Il arrive même à le tuer, genre comme ça. C'est énorme. Il arrive même à le tuer en 1v1 comme ça. En même temps, Genji, bon, c'est normal. Genji, c'est assez fort quand même en 1v1. Contre une Lunara, ça. Ah merde, putain. Ouais, j'ai tout dodge. Ça va ou pas? Moi, ça va. Hein. Ouais, je suis un peu dans la merde. Ouais, je peux pas dodge ça, je suis mort. Je peux pas dodge ça, j'ai essayé de lancer un Hydra mais il m'a pas langue instantanément. Du coup je pouvais pas dodge. Et le Genji meurt derrière. C'est vraiment. Ça le mec en Grand Master je le reporte s'il fait ça. Parce que c'est indigne d'un joueur de faire ça. Là il est platine, je l'excuse hein. Je l'excuse d'être mauvais quoi. Ça paraît normal d'être mauvais en platine. Bon, normalement, faire ce genre de mistake là, c'est pas pardonnable en platine non plus, hein, mais bon, je vais lui pardonner quand même. Hein. Parce que bon, quand je meurs à l'autre bout de la planète et que le mec il se dit, oh, je vais aller me suicider. D'accord, moi, ouais, si tu veux. Hein. Si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Pas de soucis là-dessus. J'espère que tu le fais pas IRL en tout cas, te suicider. Dodge de la langue encore une fois. Et là en gros j'ai pas besoin de prendre la nuke. C'est pas un problème, genre faut vraiment pas se presser à prendre la nuke. Genre là en fait si je prends la nuke maintenant, le mec va me faire chier, va venir me cancériser la gueule, voilà, il va venir d'ailleurs. Voilà. Là, il peut plus venir, normalement. À part s'il veut mourir. Là, KT arrive, c'est bon, j'ai ma nuke. Hop, salut, au revoir. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Putain. Compliqué quand même, putain la vache. Compliqué ce jeu, putain. Je suis en 1v2 depuis tout à l'heure, c'est quand même assez chaud quoi. Faut pas faire d'erreur quoi. Ouais, faut pas faire d'erreur quoi. Oh la vache, putain, sans déconner. Sans déconner, j'ai que ça à foutre. Putain, mais vraiment, casse-toi de ma vie là. Genre, casse-toi de là en fait. Vraiment, casse-toi très loin. On arrive à perdre hein, presque. Hein. Là, on est even à XP. Je suis en 1v2 depuis genre le début en fait. Depuis le début à peu près, hein, parce que j'ai même été 1v3 à un moment donné. Enfin, quand même assez hallucinant quand même. Et je win, hein. Enfin je win, non, je win pas quand même. Ah. Oh putain. Il y a un mec qui arrive top, il y a un mec qui m'a ping et ils arrivent à mourir. Ils sont deux bots, ils sont 2v2, ils meurent. Lui il peut m'agripper, voilà, il peut m'agripper. Il peut rien faire d'autre, donc voilà. Parce qu'il a charge dans mon Nidus.
Je suis un V2 top, les mecs ils arrivent à mourir bot lane. Il va me charge, non? Ok, un lucky. S'il m'a charge, j'étais mort. Faut pas lui dire ça. Oh le globe, putain de ta. Putain, oh, sans déconner le globe quoi. Oh putain, il vient derrière lui aussi en plus. Oh le globe quoi, le globe qui est en full life. Donc je suis à peu près en 1v2, 1v3 là depuis tout à l'heure. Et ils arrivent toujours à mourir derrière. C'est encore une game qui est ingagnable si je prends pas mes hard picks. Hein. Genre vraiment ingagnable la game. Si je prends pas mes meilleurs picks. Déjà avec Zagar, je suis pas sûr de gagner là du tout. Donc si je prends pas Zag, j'ai perdu la game. Ouais, il a bien joué. Je savais qu'il pouvait faire ça, mais après, ouais, ils sont trois ici. Encore une fois. Je suis mort. Vu qu'il m'a pas langue avant, je peux rien faire derrière. Ouais. Pyro en plus de ça. Ils sont quatre du coup. Ouais, ils sont quatre. Ils sont obligés d'être quatre. S'ils sont deux, ils me tuent pas. S'ils sont trois, ils peuvent ne pas me tuer. À quatre, ils peuvent me tuer. Ouais. Enfin, à 3 Brightwing d'AK, 4T, ils peuvent me tuer quand même, assez simplement. Mais ouais, ils sont obligés au moins d'être 3. Ouais, compliqué. Compliqué, hein, cette game. Où ça feed dans tous les sens. Je suis en 1v3 à peu près. Et elle est quand même dure, la game. Compliqué. Là, je regarde pas c'est ma minimap pour voir les gens arriver, mais c'est compliqué. C'est DAK, DAK Brightwing qui peuvent TP. Un KT sauvage qui arrive. Pas de ping de mes alliés. Obligé de faire un V2 toute la game. C'est compliqué de tout faire après. Tu peux faire plus que ça, c'est compliqué après. Faut être god quoi. Faut être god ou concentré à ce fait. Et pas parler. Et ouais, être concentré et pas parler en même temps. Les deux en même temps. Là on va push juste hein. D'abord Twing ouais je l'ai burst un peu donc elle est morte, ok d'accord. Au final la Brightwing est morte parce que je l'ai burst et après ils sont morts mais pas mal qui ça. Ouais là c'est normal qu'ils arrivent. Là, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas faire autrement que d'essayer de me barrer comme ça mais. Ah j'ai. Ah putain! Le KT, j'étais à deux doigts de me le tuer. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une torrette de KT. C'est la torrette de KT que j'ai pris instant. S'il l'a raté, je pouvais le tuer, je pense. Parce que le KT, je lançais ça plus ça faisait très mal. Et des chancres, je voulais faire ça plus chancre. Ça, genre un ou deux chancres. Il allait prendre cher. C'est chiant. Trop envie de flemme la Genji. Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi il a ça level 4, mais bon. Il s'amuse quoi. Il s'amuse, il peut pas se faire gank, il est content. Il a pas d'essence quoi toute la game mais. Ouais, ils sont deux encore. Ce qui est chiant. Bon, maintenant je fais ça pendant 3 minutes. Ça, c'est les Indiens. Ça. Les Indiens sont parmi nous. Les putains d'Indiens. Non, 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 je vais pas. Non, non, non. Arrête, 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 arrête. Oh yes, merci. Il a encore sa langue, ce bâtard.
Ah bah, ah t'es mort. Ah putain. C'est un V2. Ouais. Ah putain. Il n'y a pas assez de perso sustain, c'est quoi que tu veux dire? Des persos sustain. J'ai encore une nuque, moi? Non, peut-être pas. Ah, je suis mort. Ah non. Oh, il va me charge. Mais il a plus rien après. Non, ça va, il me charge pas. Il va me charge, je pense. Je l'ai fait fuir en 1v3. Ah, bah, KT est mort. Mais ouais, ça c'est une game que tu gagnes pas sans zag. Enfin, je gagne pas sans zag. Ou avec un très très bon pick, mais avec un Arthas ou quoi. C'est une game ingagnable autrement, c'est trop chaud. Hein. Genre on l'a gagné là, mais franchement, c'est. Game comme ça, c'est tendu quand même. Ah putain, une pyro la gueule. Tu t'as un truc ou pas? Ah putain. Ouais. Uta est morte. Sacrilège. Uta est morte aussi. Par le poison. Ils sont tous là, les bâtards. Je m'en fous, je vais backdoor. Coucou, allez, au revoir. Allez, salut. Allez, salut. Moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain. Allez, salut. Hein. Moi, je passe derrière vous. Je passe derrière vous. Coucou. Coucou, je suis là. Et coucou. Et coucou. Et coucou, je suis là. Je suis déjà au corps. Et on est au corps, là. Et coucou. Je les brain. Les mecs sont allés dépêcher le boss. Moi, j'avais une petite tumeur dans les fourrés. Je suis là. Je suis derrière vous. Coucou. Eh oui, c'est formidable. C'est formidable. Bah oui, c'est formidable. MVP. It's in the game. Mais ouais, franchement.